Enfin là je vais surtout mourir mais... Oh NON. Je rigole si je non vois une police dead. Non, attendez. Attends, salut tout le monde. Mais me mettez pas. Salut. Salut le live. Salut, salut. Eh ben y a rien qui fonctionne. Les amis, bienvenue sur le lancement de Madventure 2.0. Nous allons très vite présenter les participants qui sont présents déjà premièrement. Donc bonjour, je suis en compagnie, je vais faire dans l'ordre de Anaïs, coucou. Yo, dab. Je suis en compagnie de Créo. Hello. En compagnie de Dragon Alpha. En compagnie de Firestorm. Yo. En compagnie de Lighted. Il l'a fait exprès. Alors, c'est tout, mais en fait, comme j'arrête pas de bugger, on embrasse Lighted qui est perdu. En compagnie de Nerwi. Voilà, il a dit oula, on l'a entendu. Et en compagnie de Tiamo. Tu disais mon pseudo. Yes. Salut à tous. Bon, le bordel, comment ça va les frérots du coup? Alors, il y a pas tout le monde malheureusement. Ça va. Il y a pas tout le monde qui est présent malheureusement. On pense fort à BXNO qui peut pas être encore là, qui sera probablement bisous là qui sera tout à l'heure là, bisous à elle partout et enfin bon bref. Donc BXNO pareil pour bah il manque Tounfou et Seriac en fait hein, tout simplement voilà. Et du coup en fait chacun va pouvoir faire ce qu'il veut etc. C'est vraiment une aventure où on se fait plaisir, donc Redstone, Troll etc. Donc voilà, on va faire nos séries sur nos chaînes et tout. On a un village principal, on va le découvrir, enfin on va le découvrir, il n'y a rien en fait, hein, c'est juste un biome Mesa et on va créer un village tous ensemble, l'agrandir au fil du temps. Et voilà, tout simplement, c'est le pire résumé du monde, mais je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près le principe. Et ben, je crois que c'est un crash Discord. Hein. Allô ? Allô ? C'est bugué là ? Ok, ouais. C'est incroyable. Ça va un peu mieux. Ah, ça bugue. T'as vu, on est 10 connectés, ça fait crash les serveurs de Discord. C'est fou. Il en faut peu. Du coup, moi je vais commencer en solo. Du coup, vous vous mettez avec qui ? Dites-moi, vous vous dispatchez comment ? Bon, oui, moi perso, je vais commencer solo, je pense, à mon avis. Oui, mais pareil. Ah, t'as un mec comme ça. J'en sais rien, moi je reste avec ceux qui veulent jouer calme. Ça marche. Dit, ton frère. Ok, ça marche. Dit, je vais t'offrir un coquelicot. Tu veux pas mon coquelicot? C'est trop mignon. Non, je m'en vais. Non, je m'en vais à plus. Bon, allez, bonne soirée à tous. Bon, bah, heureux de vous avoir connu. Moi, je bouge sur le 4. Bonne chance à tous. Bon jeu. Bonne aventure à tous. Bonne aventure. Ciao. Bon, allez, je me déconnecte. C'est un calvaire. Bon, les frérots, on va pouvoir parler. On va pouvoir parler ensemble. J'allais pas rater une 5 minutes de ce live. Merci, JL. Et bienvenue à tous, du coup, sur le live. Alors, j'ai le live. Je suis sur YouTube et Twitch en même temps. Voilà. Donc, je vois le chat des deux plateformes. Hein, puisque je vous rappelle que je live et sur YouTube et sur Twitch, donc je vois votre chat. On va commencer directement par couper du bois. Bah oui, c'est le début de l'aventure, donc de Madventure 2.0. Alors j'ai plein de projets, hein. J'ai plein d'idées, plein de projets pour cette série. Ça va être assez incroyable. Ça va être bah du coup comme à la bonne époque. Coucou Mkolo, penses-tu inviter des abos ou moi? Alors du coup, Madventure 2.0, il y aura pas d'autres invités. C'est vraiment il y aura que nous, donc ce groupe fermé d'acolytes, parce que du coup bah voilà, c'est beaucoup plus simple à gérer. On va un petit peu donc se barrer. Donc là, c'est le spawn et donc dans l'idée, donc on va créer un village ensemble. On va créer un village ensemble avec les acolytes, donc un rapport avec le western du coup, ça va être bien sympa. Et voilà, je me permets encore de remercier parce que ça a été très rapide. Mais du coup Minecraft.fr qui sponsorise cet événement. Bon là du coup c'est un peu ça a commencé vraiment bizarrement. On est en 1.14.3 évidemment. On a Lighted qui stream, pareil pour Anaïs, pareil pour Firestorm. Je crois que Dragon Alpha stream aussi, mais je suis pas sûr. Donc là on va partir tout simplement. Il y a des îles volantes quoi, c'est incroyable. Donc là c'est vraiment un monde généré aléatoirement, hein. Donc là c'est de la découverte, les chunks se génèrent et tout. Je sais pas où sont partis les autres d'ailleurs, je sais pas dans quelle direction ils sont partis. Donc là l'idée c'est de se stuffer un petit peu pour commencer, comme ça on sera vraiment bien. Et puis par la suite on pourra faire s'établir dans des endroits assez sympas, se faire une base et tout. Et puis faire des belles constructions, ça peut être assez sympa. Je vais mourir de faim, y a pas de la bouffe à quelque part? Non, les coffres ont déjà été pillés. Je vais mourir de faim. Donc là, vous voyez, Tiamo est désormais AFK. Donc ça, c'est un plugin du coup que Firestorm a mis en place. Du coup, quand t'es inactif pendant 2 minutes,
Et ben du coup ça te met AFK. Et donc si on veut passer la nuit, et ben il n'y a pas besoin qu'il dorme et la nuit passera quand même. Vous pouvez pas. C'est pas grave, on va se faire un maximum de bouffe et on va vite aller en mine. On va vite aller en mine pour se farmer un peu des minerais et tout. Attendez, laissez-moi me faire de la bouffe. Voilà. Je vais faire une pioche. Oh non, je peux pas. Oh là là, ça craint. Ça craint de ouf. C'est une catastrophe ce début. Ce début d'aventure. C'était sûr qu'il y aurait un truc qui fonctionnerait pas trop bien. Ah, peut-être, ouais, on a une mine là. Cool, on va pouvoir se mettre bien ici. Je le sens. Par contre, j'ai une épée en bois. Hein. Vous l'avez remarqué, moi aussi, il serait temps de passer à une épée en pierre quand même. J'ai plein d'idées, donc que ce soit niveau construction, mais aussi au niveau troll. J'ai des idées de troll à faire. Genre, dans les bases des autres, vous allez voir, ça va être une tuerie. ça va être incroyable. Pourquoi t'es pas Discord avec les autres? Bah parce que j'avais envie de commencer mon aventure solo comme en 2014, à la bonne époque de Madventure, la première saison. Je vais enlever le ressource pack, vous savez quoi? Et puis à l'avenir, je remets... Merde, je me suis déconnecté du serveur, mais quel idiot! Hop, voilà. Allô? Ah voilà, merci. J'avais peur d'avoir perdu tout mon inventaire. Donc c'est le serveur. Donc c'est pas ma... Eh, arrêtez de critiquer ma connexion, hein, s'il vous plaît. C'est pas ma connexion, hein. C'est le serveur, là, on est tous à des endroits différents. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est nombreux, mais on est surtout à des endroits différents, en fait. On est surtout à des endroits différents, du coup, ça fait pas mal bugger le serveur, donc c'est un petit peu normal. Et voilà, c'est la soirée de lancement, donc c'est un petit peu normal, mais par la suite, évidemment, comme dit, on sera pas forcément tout le temps connecté... au même moment, et puis surtout on sera ensemble, donc du coup voilà. Faudra vite qu'on se crafte un bouclier. Je sais plus comment on craft un bouclier, faudra faire ça. Évitez de péter, merci. Peut être sympa que vous pétiez pas. Non. Ouais, je sais plus comment on craft un bouclier. Je crois qu'il faut du bois et du fer, hein. Hop, on va progresser. Encore des creepers. Oh, il y a un donjon. J'ai trouvé un donjon. Attendez, c'est un truc de ouf. J'ai trouvé un donjon. C'est incroyable. Merci pour le follow, le pro du gaming. On a quoi dans ce coffre? Oh, une armure. Eh, on adoptera un cheval, hein. On adoptera un cheval, hein, direct. Hop, le redstone, on s'en fout pour le moment. Et là, c'est un cul-de-sac. On a encore un peu de fer. Un fer au milieu. Du bois comme un bateau. Ah, super. Merci. Merci pour le tips. Pour le petit conseil. Parce que je savais plus comment on fait. Et donc, j'avoue que ça m'aide. Parce que du coup, c'est comme ça. Pas du tout. Eh ben, j'ai pas compris. C'est pas ça que tu m'as dit? Oh non, comment on fait? Au milieu, en haut. Voilà. Ah oui, et attendez, c'est comme ça. Yes, ah bah il était temps, hein. Oh, je suis désolé, c'était laborieux. Regardez cette île volante. Et mais limite, j'ai envie de m'installer là-haut, hein. J'ai trop envie de faire un truc là-haut. En vrai de vrai. À moins que quelqu'un ait déjà eu l'idée, j'ai envie de faire quelque chose là-haut. Je m'en fous, j'ai envie de faire quelque chose là-haut. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux faire un truc là-haut. Sachant que, voilà, je tiens à vous le dire, donc c'est le principe de Madventure 2.0, donc on a un village principal. Mais chacun peut se faire des bases, et n'importe combien, quoi. On peut en faire autant qu'on veut des bases. Attends, j'ai trop envie qu'on s'installe là-haut. Donc rien m'empêchera de m'installer ailleurs, évidemment, du coup. Mais j'ai trop envie de m'installer là-haut. Alors j'espère que personne n'a eu cette idée avant moi, mais j'ai trop envie. Parce que c'est grave sympa. Alors c'est quoi cette grotte? C'est un cul-de-sac, hein. C'est un cul-de-sac, mais par contre on a dû faire. Tout est en live, X-Ray. Moi je dis ça cheat. Putain, ils ont du diam, c'est tout, et moi j'en ai pas, quoi. Je suis deg. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les coordonnées d'ici, pour pas les perdre, parce que du coup on a une belle île volante, et j'aimerais bien en faire une base. Oh, et j'ai trouvé un temple du désert, mais on parie, il a déjà été pillé. On va appeler BXNO, vous savez quoi? On va appeler BXNO, comme ça vous pourrez lui dire bonsoir. Allô, allô. Coucou, comment ça va? Ça va. Je suis en train de commencer un début d'aventure. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Construis ta maison. Bah non, bah j'ai pas trouvé d'endroit sympa encore, enfin à part l'île volante, mais là dans l'idée j'aimerais me stuff ou trouver un endroit sympa, c'est pour ça que je me promène. Est-ce que vous avez tous un lit sur vous? Parce que là la nuit va tomber. Alors donc moi Oula, je ne t'entends plus du tout. Ah lourd. Mkolo, oui. Oui. Ok, je suis en AFK. Alors, c'est reparti, on relance le jeu. Venge-toi de Tounfou. Ah ouais,
Alors toi, Alex, le youtubeur, t'as la ref. Hein. Voilà, là, on voit les vrais qui ont suivi Madventure et tout. Merci Enzo pour ton abonnement. Non, on voit les vrais, hein, Alex, le youtubeur, exactement. Mais vous avez pas idée, hein, le nombre de trolls que je vais faire. Ah, il y a Toonfou qui a rejoint le serveur. Oula. Toonfou a rejoint le serveur, yo. Par contre, j'aimerais bien que Cryo accepte ma demande de TP. Ah, ça y est. Oh, le bâtard. Ah non, c'est bien, c'est un bug. Oh, Cryo, il a déjà commencé à construire, regardez. Oh, sympa. Pas spécialement beau, hein. Hello. Oh bah merci mec. Attends, on va faire du ménage optique grâce à lui. T'as pas de la bouffe? Attends, tiens. Ah nice. Je vais lui donner un peu de bouffe. Alors, hop, cadeau. On va faire un petit four. Ah ouais, et du coup comme j'ai trouvé du foin, je peux me faire un peu de pain. Hey Marion, dans le chat, il y a Blue Cookie, il a écrit non pas Toonfou. Oh non, c'est pas gentil. Toonfou, il est rejeté par la communauté. Oh bah j'ai trouvé une mine, oh là là. Eh, hey, Lydiz, il a le seum. Alors là je suis sûr, oh, j'ai trouvé une mine, de ouf. Oh les mecs, dans le chat, je veux que vous mettez tous dans le chat GGM Colo. Et merci Lydiz. Genre je veux que vous spammez ça dans le chat parce que là on va trouver du diamant. Hein. Enfin là je vais surtout mourir mais... Oh non. Je rigole si je vois une Colo is dead. Non, attendez. Parce que j'ai pas de pseudo. Oh, je me suis démerdé. Oh lolo. Oh la chance. Et c'est quoi cette faille gigantesque? Allô. Je me casse. On va aller par ici. Par ici. Slash TPA, Dragon Alpha 122. Vas-y, je me TP sur Dragon Alpha si elle l'accepte. On va voir un peu. Ça se trouve, elle est en mine et tout. Ce qui serait sympa. Je suis un gratteur. Mais de fou. Je suis un gratteur. Mais moi, je vais me stuff. Alors. Ah si, c'est bon, j'ai ma table de craft. Ouf. Oh bah elle est avec quelqu'un. Elle est avec Nerwi. Oh, ils sont en mine. Oh merci. Merci. Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Bon bah c'est parti, hein. Minage opti. Par contre couche 9 c'est pas optimisé, hein. Faut se mettre en couche 12 les frérots. Ça y est, hein. Moi je suis connaisseur. Ah bah oui. Ah oui. Non, il y a l'eau qui rentre, ça je ne veux pas. Mais putain, Dragon Alpha, tu fais quoi? Dragon Alpha, elle va me voler mes diamants. Arrête, non mais arrête. En vrai. Elle est en train de te shooter? Ouais. Non, c'est pas sympa. Allez. Mais elle veut pas que je mine, elle veut pas que je mine. C'est un peu l'arroseur arrosé, si je puis me permettre. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Tu peux aller voir Cryo pour voir sa base. Bah ouais, mais du coup il est plus là, donc je peux plus me TP sur lui. Du diamant! Attends, parce que Dragon Alpha va venir, donc on va boucher, hein, parce que je suis un petit con. Et oh là là. Non, bravo. J'ai du diamant. Et ça, c'est grâce à Dragon. On met. Hey, je suis un gratteur ou pas? Déjà avant, je me suis TP sur. Attends, merde, Dragon Alpha arrive, je vais me dépêcher. Non! C'est bon, j'ai récupéré. GG. Hey, Dragon Alpha, elle m'insulte. Elle a raison. Ah non, j'ai un rollback. Ça, c'est pas cool. Oh. Non. J'aime pas trop si tu me dis que t'as un rollback, parce que ça veut dire que ça peut bientôt venir chez moi. Ouais, mais normalement, on l'a tous le rollback là, c'est sûr. Voilà, ça y est. Ah bah voilà, ça l'a fait. Ouais. Ça y est. Anaïs, je me suis pas encore TP sur Anaïs, tiens. Je vais pas gratter Anaïs, accepte mon TP s'il te plaît. Elle a refusé. Tu ne mourras pas. Alors. Allez, viens. Ah ouais, je vais faire un deuxième four. Mais j'ai déjà demandé de me TP sur Anaïs, mais elle m'a pas accepté. Coucou, ça va? Salut Margot, salut Mimi13, bienvenue à tous sur le live. Je me prépare à tout, hein, parce que... La c***** ! Hop ! Non, arrêtez ! Oh là là, les bat... Du coup... Qu'est-ce que tu fais ? Mais moi, je voulais creuser, là, en fait. Pardon ? C'est le pire. Tu veux que j'enlève le four ? Non, mais c'est bon, je vais passer par autre part. Vas-y, je vais me TP sur Toonfou, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... C'est peut-être la pire erreur que j'ai fait, mais... Oh, super. Bah, tu tournes entre les personnes. Ah, d'accord. Non ! Non, mais non, mais ça, c'est pas cool ! Il m'a poussé dans la lave, et heureusement qu'il y avait de l'eau à côté. Qui est Toonfou ? Hein ? Accepte l'invitation, s'il te plaît, Marion. Vas-y, s'il te plaît, accepte, s'il te plaît, ça se fait vraiment pas. Merci. Eh, mais alors lui, mon pote, je te jure, j'allais crever. Ça se fait vraiment pas. Oh, je là, te là, demande... Là. Un diamant pour ce sauvage. Pour Tiens. Ce ouais, sauvetage. Hop. Ouais. Merci. Putain. Oh, elle a cassé ma pioche.
Putain, mais l'autre, quoi, sérieux. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Bah, tu vois, moi, il a commencé à m'attaquer avant, alors que j'étais pas stuff et tout. Marion. Oui. Je doute que... entre nous et les viewers. Je doute que Toonfou écoute le live. Franchement, j'ai un gros doute. Mais dans tous les cas, même s'il entend, tant pis. On s'en fout. Ça te dit, nous deux, là. On lui préparera à l'avenir, quand on verra et tout, sa base et tout. On lui préparera un gros prank, sa mère. Genre, il va rentrer chez lui, il va pas comprendre. Vas-y. On va faire un truc. Évidemment, ce sera en vidéo, les mecs, vous allez voir. Toonfou, il va prendre cher. Toonfou, il va prendre cher, les mecs. Non! Je suis complètement con, je suis un idiot. Regarde, il y a une grande faille et il y a surtout de la nourriture. Là. Oh, wow. C'est amazing. Amazing. Bon, elle est pas non plus super profonde, mais ça peut être intéressant. La débouchée peut être intéressante. La débouchée. Ouais. Attends, je vais un peu jeter des blocs là parce que c'est chiant. T'as vu, j'essaye de contrôler mon vocabulaire et tout pour parler bien. Je vois ça. Je vais m'installer vite fait dans ma petite île, ok? Comme ça au moins... alors je recherche juste les coordonnées parce que je sais plus où c'est du coup. Donc là du coup les amis... Hop. C'est ici que je vais m'installer. Ça se trouve il y a déjà quelqu'un qui s'est installé là-haut. Ce serait très drôle. Est-ce que t'aurais les nerfs? Un peu ouais parce que c'est le premier endroit que j'ai trouvé quoi. Allez c'est parti. C'est dangereux ce que je fais. Adieu. Ça fait mode Celestia quoi, ça y est j'y suis. Évidemment le but du jeu c'est pas de trouver des îles volantes hein, mais c'est juste que cet endroit est vraiment bien tombé pour moi. Yes, on y est, ça y est. Oh c'est génial, regardez c'est magnifique. Magnifique. Oh elle est trop bien cette île, on va faire des trucs sympas là-dessus. Oh et j'ai une vue incroyable, incroyable la vue. J'ai un village en bas, le spawn nice. Il est par là-bas. Trop bien. Bah du coup je vais noter les coordonnées d'ici et comme ça on pourra faire des portails, enfin un portail qui mènera ici. Ok. Ah c'est sympa, on est bien là. Bon du coup ici c'est chez moi hein, donc y a personne qui a intérêt, enfin personne n'a intérêt à piller ici. Hein. On est quand même entre potes donc en principe normalement on n'est pas censé se piller méchamment. Sauf si on a besoin évidemment de quelques trucs et que voilà. J'ai besoin d'une petite douzaine de diamants. Non, voilà, typiquement, c'est typiquement ce dont je ne parlais pas. Mais merci d'avoir été présent. En tout cas, c'était cool. Big up à tous les participants. Je rappelle les participants pour terminer. On a BX No, Toonfou, Dragon Alpha, Anaïs, Firestorm, Nerwi, Tiamo, Lydid, Seriac. Et j'ai oublié quelqu'un. Ah super. J'ai oublié quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais big up. Créo. Oh merde, pardon, Créo, oh le con. Oh, j'ai oublié Créo. Exactement. Voilà, merci à tous. J'arrête le live. Ciao ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Bisous bisous. Bisous bisous. Ciao ciao.